Mais la majorité des chrétiens, dont nous faisons partie, nous suivons l'exemple du martyr de Marie. Nous avons nos souffrances en nous, dans nos familles, autour de nous. Et nous devons porter ces souffrances comme Marie a porté ses souffrances. Et dès qu'elle a dit son oui à Dieu pour porter son fils, elle a commencé à porter sa croix. Oui, et c'est peut-être le cas dans notre vie depuis le début, ou peut-être après notre mariage. Oui, il y a peut-être des moments où notre mari est une croix, notre épouse est une croix. Mais nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Alléluia. Et le conseil et le chemin que nous propose le monde, c'est d'abandonner la croix. C'est pour cela qu'il y a tant de séparation et de divorce. Je me souviens d'un épisode à la frontière de France. En général, je ne dis pas, je fais pas de blague. Durant une retraite, je bénissais les articles. Je disais donc aux gens, prenez en main les chapelets, les corps. Comme je vais le faire un peu plus tard dans la journée. Et puis ensuite, je prononce la prière de bénédiction, il y a l'instruction de béni. Je sais que c'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. I know you can reform me. Je sais que tu peux me reformer. Souffle ton esprit. Et renouvelle mon âme, mon être intérieur. Guéris mon intériorité. Mais la majorité des chrétiens, dont nous faisons partie, nous suivons l'exemple du martyr de Marie. We have suffering in ourselves, in our family, surroundings.
Nous avons nos souffrances en nous, dans nos familles, autour de nous. Et nous devons porter ces souffrances comme Marie a porté ses souffrances. Et dès qu'elle a dit son oui à Dieu pour porter son fils, elle a commencé à porter sa croix. Oui, et c'est peut-être le cas dans notre vie depuis le début, ou peut-être après notre mariage. Oui, il y a peut-être des moments où notre mari est une croix, notre épouse est une croix. Mais nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le conseil et le chemin que nous propose le monde, c'est d'abandonner la croix. C'est pour cela qu'il y a tant de séparation et de divorce. Je me souviens d'un épisode à la frontière de France. En général, je ne dis pas, je fais pas de blague. Durant une retraite, je bénissais les articles. Je disais donc aux gens, prenez dans vos mains les chapelets, les croix.
Elle a porté toutes ses souffrances en son cœur et a mis ses souffrances à celle de son fils Jésus. Et chaque chrétien plus tard.